Et yo les gars, j'espère que vous allez bien les frérots. Du coup aujourd'hui, nouvelle vidéo, on est sur Emacha. Petite vidéo spéciale, je vais essayer de vous montrer un peu ma routine sur Emacha les gars, ce que je fais chaque jour, dans quel ordre j'y fais, comme ça pourra peut-être vous aider à savoir ce que je fais en premier, en deuxième, en troisième, ce sera peut-être plus opti, ou peut-être même moins opti que vous les gars, on sait jamais. Alors après, je vais aussi vous montrer les choses que je fais pas dans le bon ordre, parce que sinon la vidéo durerait 1 minute, parce qu'il y a beaucoup de choses que je fais pas sur Emacha. C'est terrible, c'est terrible. Mais je vais essayer de vous y montrer les gars, je pense que ça peut être plutôt intéressant. Et puis vous me direz limite vous si vous y faites différemment et ce sera peut-être mieux. Mais voilà les gars. Du coup, on est le matin, on se lève tranquille, on prend le petit déjeuner, on allume Emacha sur le côté, sur le téléphone. Qu'est-ce que je fais moi? Donc, le matin, quand je me connecte, je suis à 162 stamina, du coup, j'utilise toute ma stamina dans le solo, dans les Night Ops ou les Supplies, ça dépend de ce que vous aurez besoin, les gars. Si vous avez besoin de bouffe ou d'argent, ou si vous avez déjà toute votre box 90, et bah, du coup, vous irez farmer les Night Ops. Voilà, donc ça prend, vas-y, ça prend 15 minutes à tout péter, les gars, en mode auto. Donc, c'est plutôt cool. Ensuite, je vais dans les commissions. Je lance mes commissions, les gars, le matin. Donc, je fais ça, tac, hop. Voilà, je lance toutes mes missions comme ça. Bon, là, j'y fais maintenant, les gars, parce que je n'avais pas fait. C'est terrible. Donc, voilà, on va dire qu'on fait ça. Hop. Ensuite, on n'a plus qu'à déconnecter. Après, je vais faire ma petite vie IRL, tranquille, tout ça. Vous allez soit à l'école, soit au taf, ça dépend ce que vous faites. Tranquillement. Ensuite, vous vous reconnectez le soir, du coup, vers, je sais pas, ça dépend, vers 16h, 17h, 18h, 20h. Ça dépend quand vous jouez. Moi, personnellement, je me connecte à 18h pour lancer mon live et machin. Donc, je suis re à 160 de stamina à peu près. Donc ça, c'est plutôt cool. Je récupère mes commissions, les gars. Je récupère mes commissions qui, du coup, ont fini. Et je relance, du coup, toutes celles qui me restent directement. Comme ça, au moins, j'aurais pu faire toutes mes commissions dans la journée. Voilà. Ensuite, pour ma stamina. C'est le moment où du coup je vais jouer le plus. Je vais jouer, je sais pas, à peu près 3 heures, on va dire. Environ, quoi, ça dépend des jours, si je suis motivé ou pas. Du coup, je vais dans les cadeaux, les gars. J'accepte ma récompense ici. Donc en plus, aujourd'hui, il y a les nouveaux tickets, donc pensez-y, les gars. J'accepte ma récompense. Ensuite, je vais ici. Je prends les 150 du coup de stamina. Je peux en prendre que 100. Et ensuite, je prends la 50 dernière à la fin. Mais ouais, je prends toute la stamina ici. Ensuite, je vais dans mon dorme, les gars. Je prends ma stamina aussi. Vous savez, les 50 de stamina offerts. Ensuite, je vais aussi dans ma liste d'amis pour récupérer aussi la stamina. Donc, en gros, vraiment, je prends toute la stamina de partout qui est possible à avoir. Je crois que je suis à peu près à 380 après. Du coup, je vais dans le solo. Pareil, je fais soit les night ups, soit les supplies. Je fais toute ma stamina d'un coup. Comme ça, au moins, c'est fait. Ça prend à peu près, allez, on va dire 30 minutes grand max, les gars, si jamais vous one-shotez pas les mobs. Donc, au moins, vous aurez utilisé toute votre stamina en début de jeu, quoi. Comme ça, vous aurez le temps de faire les autres choses et du coup de récupérer encore de la stamina pour après. Donc voilà. Donc là, on a fait toute la stamina, les gars. On a fait toute la stamina. On est bien, on est tranquille. On a fait toutes les commissions. Enfin, on les a relancées. Du coup, dans 3 heures, faudra venir les récupérer. Du coup, le temps que vous fassiez les autres choses, vous aurez récupéré. Du coup, vous aurez fini en fait vos temps de commission, quoi. Elles seront finies. Du coup, vous pourrez les récupérer tout à la fin. Mais voilà. Du coup, pour l'instant, on a utilisé toute la stamina. On est le soir, on est bien, on est tranquille. Ensuite, les gars, je vais ici dans la petite feuille en haut à droite, j'accepte toutes les récompenses. Normalement, vous en avez assez du coup pour ouvrir tous les coffres qu'il y a en bas là. Vous pourrez ouvrir les 5 coffres en bas. Et ensuite, grâce au coffre, du coup, vous pourrez aller ici dans les daily quests et ici vous pourrez du coup rusher vos missions. Vous pourrez en rusher. Alors je crois qu'après il vous en restera 3 ou 4 qui ne pourront pas être rushés parce que vous aurez plus de tickets. Donc après vous pouvez les faire à pied. Hein. Ça va vraiment très vite les gars. Vous mettez go tout et le personnage il y va tout seul. Donc voilà, donc vous faites toutes vos missions pour gagner de l'XP. Ce qui est plutôt intéressant. Vous gagnez de l'XP, de la bouffe. Aussi, c'est vraiment très intéressant, les gars. Si vous avez arrêté de farmer la bouffe, ça vous en donnera gratuitement. Voilà. Donc après, grâce aux missions, aux daily quests, les gars, vous allez débloquer du coup dans l'emergency la petite mission. Donc là, j'ai pas encore débloqué parce que j'ai pas fait mes missions. J'y garde pour le live de tout à l'heure, de 16h. Mais en gros, vous pourrez faire l'emergency. Vous pourrez faire le joint operation. Vous pourrez du coup aller faire une assistance, une assist en emergency pour aller aider quelqu'un. Donc ça, au moins, ce sera fait. Ensuite. Ce que je fais moi personnellement, c'est que du coup je vais dans la coop, je vais faire mes étages, je vais aller du coup bah soit rejoindre des gens, soit faire mon permis, ça dépend ce que vous avez, mais la plupart du temps les gars on va rejoindre des gens, donc faut essayer de trouver par exemple tu vois ici là on peut voir un étage 10, donc ça c'est parfait les gars, parce que du coup étage 10 ou plus, on vous savez maintenant avec les vidéos ou même vous le savez tout court.
On obtient du coup nos items d'équipement qui sont orange, ce qui est le plus intéressant. Donc faut vraiment faire un étage 10 ou plus, les gars, pensez-y. Vous rejoignez, vous faites vos persos, etc. Moi personnellement, alors je fais pas tout. Je fais pas tout, les gars, parce que j'ai vraiment la flemme. Mais la plupart du temps, je fais à peu près la moitié, on va dire. Je fais par exemple mon Stain, Matsuyu qui est boosté aussi. On va dire que je fais le Endeavor, je fais la Ochako, le Denki, Fumikage, All Might, Hawks. J'utilise des fois la Momo, je fais le Aizawa. Et après tout le reste, par contre, ça, voilà. Donc tous mes persos, la moitié de mes persos qui sont éclatés au sol, les gars, je les fais pas. Donc on va dire que je m'arrête à ici et que je fais tout ça, quoi. Voilà. Donc, bah, le plus intelligent, les gars, bien sûr, hein, c'est de rejoindre des étages 10. Comme ça, vous utilisez vos petits persos. Par exemple, moi, j'utilise mon Aizawa en premier. Ensuite, je fais mon Hawks. Ensuite, par exemple, ensuite on, je pense, on va atteindre l'étage 20. Je prends ma Ochako. Après, on rejoint quelqu'un d'autre. On refait un petit perso, etc., etc. Donc c'est plus intéressant. Dédicace à Azok et au Bogos. Excuse-moi frérot, je vais te livrer, voilà. Mais voilà, donc après on a fait la coop, les gars, ça c'est ce qui prend le plus de temps, c'est horrible. La coop, vraiment, ça prend. Bah, ça dépend en fait si vous mettez du temps ou pas, mais genre ça prend, on va dire, 2 heures. On va dire que ça prend bien 2 heures, même plus, même 3 heures, je pense, si vraiment vous faites tous les persos. Mais c'est vraiment très important, les gars, parce que du coup, après avoir fini la coop, vous allez dans les Gears, et ici, du coup, vous irez voir un peu tout ce que vous avez droppé, les stats, les équipements, etc. Les plans, les potions, vous montez un peu tout. Tout ce que vous pouvez monter, de toute façon, vous y montez dans les équipements, les gars. Vous faites du tri un peu, vous faites des fusions, selon ce que vous avez besoin, etc. Donc ça, c'est bon. Du coup, vous allez gagner un peu de BP. Ensuite, moi, ce que je fais personnellement, les gars, c'est que c'est le Warzone Time. Il est temps d'aller mettre des fessées en PvP, les gars. Du coup, je fais mon Warzone. Je fais ma Super Co-op Battle. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps, la Super Co-op Battle. Le Warzone, alors moi, ça prend du temps parce que je suis en live. Du coup, on fait des prédictions, on parle, etc. Mais en vrai, le Warzone, ouais, maintenant, ça va très très vite parce que maintenant, il n'y a que 2 combats au lieu de 3. Donc vraiment, je pense que ça doit prendre, allez, on va dire 20 minutes, si tout se passe bien, les gars, je pense. Donc ça prend 20 minutes à peu près. Du coup, voilà, donc on a fait Super Co Battle, le Warzone. L'Arena, j'y fais pas du tout, les gars. Vraiment, l'Arena, j'y fais pas. Donc après, ça, c'est à vous de voir si vous y faites ou pas. Mais voilà, au moins, le PVP, c'est fait, les gars. La coop, c'est fait. Sauf le team-up, du coup. Parce que le team-up aussi, c'est un mode que je fais pas du tout. Donc après, par exemple, après le Warzone ou même avant, vous pouvez aller en team-up, du coup. Après, ça, c'est à vous de voir, les gars. Vous allez faire vos 3 persos tranquillement, etc. Du coup voilà, donc l'onglet de la coop il est fini, l'onglet du solo les gars il est fini, l'onglet du PvP il est fini. Ensuite, à la fin en mode chill et tout, je vais dans le time aid les gars, comme ça je vais faire mon mock contest, ou le boss raid, ou le virtual, ça dépend. Comme ça, au moins le time aid aussi est fini, donc les 4 cases du haut sont finies les gars. Le Gears aussi, du coup on l'a fait. Les héros, bon ça vous y allez bah, quand vous avez besoin quoi, quand vous voulez aller voir un truc, etc. Le recrutement, pensez bien à faire vos tickets gratuits, les gars, chaque jour. Donc, regardez, là par exemple, là je vais dropper un Fumikage. Voilà, nickel. Donc, j'ai droppé le Fumikage, les gars, ça fait grave plaisir. J'ai vraiment trop de luck. Mais pensez bien à faire vos tickets gratuits, les gars, chaque jour, parce que c'est vraiment utile. Et puis voilà. Du coup, après, je vais dans l'Alliance, les gars. Je vais dans l'Alliance à toute fin. Je fais mes petites daily donations, voilà, tac. Ensuite, je regarde si le. Bah là, c'est moi le meneur, du coup, c'est moi qui active le boss. Je l'active jamais, les gars, c'est terrible. Mais vous pouvez regarder un peu tout, vous allez dans le shop, etc. Vous baladez un peu, quoi. Voilà, la base. Et puis voilà, ma routine, c'est ça à peu près, les gars. Je crois qu'on a tout fait, hein. Je crois qu'on n'a rien oublié. Après, bah si, bien évidemment, après, de toute façon, il y a plein d'autres choses à faire. Vous pouvez aller dans la trompette pour aller faire le pire event du monde, donc le Clone Trial. Personnellement, je ne le fais pas. Mais vous pouvez vous balader un peu après, vous allez faire des trucs à droite, à gauche. Vous pouvez aller faire du hero rating si vous êtes débloqué. Enfin, moi là je suis bloqué un peu, enfin je pourrais me débloquer mais j'ai la flemme. Mais après vous pouvez aller faire du hero rating, tranquille, gagner des BP et tout. Mais voilà, pour l'instant ça c'est ma routine les gars, moi j'en suis à là. Ça fait à peu près 3 heures, voire 4 heures de live. Et moi je m'arrête là du coup, et je me reconnecte le lendemain, et le lendemain je refais la même chose les gars. Vraiment il n'y a rien qui change, tous les jours je fais pareil. C'est ma petite routine. Donc je sais pas si vous faites pareil les frérots, si vous faites complètement différemment, bah dites-moi limite, en commentaire, ça m'intéresse. Mais voilà, donc c'est vraiment très simple, hein. Je me connecte, stamina, commission, je fais le solo, j'utilise ma stamina, je vais en coop, je fais ma coop, je fais toutes mes missions à côté, les daily quests, etc. pour faire l'emergency, la coop, le joint operation. Ensuite, je fais en PVP, je fais mon Warzone, ma super coop battle.
Après, je fais mon time aid. Voilà, c'est vraiment très simple. Au moins, ouais, on va dire que en live, je mets entre 3h et 4h, mais parce que bon, ça chill et tout. Mais en vrai, sans live et tout, je pense que ça prend grand max, ça doit prendre 3h, je pense. Donc voilà, c'était ma petite routine, les gars. J'avais envie de vous faire une vidéo là-dessus. Parce que je sais qu'il y avait quelqu'un qui m'avait posé une question là-dessus il y a très très longtemps. Et ça m'est revenu aujourd'hui, les gars. Donc voilà. Après, bon, il y a plein de choses que je fais pas, hein, mais qu'il faudrait que je fasse. Hein. Le team up, j'y fais pas. Enfin, le joint operation, j'y fais plus. Parce que je trouve que ça donne des récompenses merdiques. Pareil, l'arena, j'y ai jamais fait. Enfin, c'est terrible. Mais si vous faites tout, les gars, franchement, vous êtes pas mal. Et puis voilà, du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé les gars. Petite vidéo chill, tranquille, avant demain, parce que vous savez très bien les gars, demain on est mardi. Et qui dit mardi dit maintenance de MHA les gars. Dit nouveauté ou add new event. On verra bien. Donc voilà les gars. Donc rendez-vous demain les gars. Vidéo je pense très importante demain parce qu'il y aura la maintenance. Donc je vous donnerai les nouveautés un peu. Dans la prochaine vidéo. Sinon, bah, pensez à rejoindre le Discord, les gars. Il y a énormément de personnes qui ont rejoint le Discord dernièrement. Ça fait plaisir. Donc, pensez à le rejoindre. Je crois qu'on est bientôt plus de 3900, un truc comme ça. Donc, pensez à rejoindre les frérots. Pareil, le Twitch, on est bientôt 8000, je crois, un truc dans le genre. Donc, ça fait grave plaisir. On live tous les jours. Voilà, je vais live à partir de 16h pendant 4 jours. Sinon, tous les jours, 18h, les gars. Donc, pensez à rejoindre aussi. Et puis voilà. Donc, passez une bonne journée, les frérots. Prenez soin de vous. Et ciao!